et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter la baby box de chez Focalure. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai reçu, le packaging il est comme ceci et donc il n'y a pas de double box, il n'y a pas de double boîte en fait comme dans les certains box. Donc là c'est vraiment le minimum et on y retrouve en fait que des de très très bons produits à l'intérieur. Donc la box elle coûte 29$ et franchement elle est bien garnie. Alors je vais vous montrer ça. Donc ça se présente comme ceci. Donc comme je disais hein, c'est vraiment le minimum. Donc les produits sont placés dans la petite boîte et on a le petit flyer en fait avec la démonstration des produits et les prix bien sûr. Je vais commencer par le premier produit et c'est un mascara voilà, qui c'est un produit cruelty free, voilà, et c'est de la marque Focalure. C'est de la teinte, c'est quelle teinte, ça doit être du noir, alors sexy dramatique pur, voilà. Donc c'est le volume and light, donc volume et longueur si je prononce bien. Donc je vais pas l'ouvrir hein, parce que j'ai tellement de mascarade ouvert, mais je crois que je l'ai reçu dans ma il y a 2 mois à peu près. Non, je ne vais pas dire des bêtises, mais je crois que j'ai déjà reçu ce mascara. Et donc le mascara, il coûte 15$ et c'est un mascara waterproof. Ensuite, je retrouve un primer, voilà, de la marque Dare Ixiner. Voilà, je ne sais pas comment ça se prononce, donc je vous laisse regarder. Je ne connais pas du tout cette marque, donc c'est une base make-up, pore invisible, face primer, donc voilà. Je ne connais pas du tout. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, donc c'est emballé avec un... C'est protégé avec un plastique, voilà. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Alors, il n'y a rien d'indiqué dessus. Donc, ça c'est un flacon comme ceci. Hein. Alors, ça se présente comme ceci. Et ça doit être un flacon de pompe. Oui, voilà. Donc, c'est un flacon de pompe. Donc, c'est un primer, en fait, pour le visage. Pour réduire les pores, en fait. Voilà. Donc, comme ceci. J'ai rien d'indiqué en fait donc sur le produit. Je vais y aller sur internet en fait pour voir. Voilà, donc je ne sais pas du tout comment ça s'utilise, il n'y a rien d'indiqué en fait dessus. Donc c'est de la marque Dare Ixiner ou Dr Ixiner, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne connais pas du tout cette marque. Je vais vous la montrer là, ce serait plus simple. Donc voilà, et donc le produit il coûte 29$, voilà. Ensuite j'ai reçu également un rouge à lèvres, donc de la marque Focalure également, et c'est un velvet liquid lipstick, la teinte V05 Ball, je connais pas du tout. Donc on va voir, mais je peux vous dire que je suis assez satisfaite en fait des produits que je reçois dans cette box. Donc c'est un joli rose comme ceci hein. Alors c'est un, non c'est pas un nude, c'est pas un rose pardon, il y a pas à quoi que si, ça sent l'alcool un peu. Donc c'est un ombre mousse comme ceci et c'est un marron. Alors, je vais swatcher. Oh, wow. Très joli. Franchement, c'est un marron, rouge marronné, je veux dire ça comme ça. Donc, il est très très joli. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Et donc, il est waterproof et il coûte 12$. Voilà, donc très bien. Ensuite, je découvre donc des cils magnétiques de la marque
De la marque Style. Style ou Professional Eyelash. Donc, c'est de la marque Face Magnetic Lash. Bah, de la marque Baby Box. Hein. J'en sais rien. Donc, il n'y a rien d'indiqué dessus. Donc, ça se présente comme ceci. Et ce sont des cils magnétiques. Alors, j'ai jamais posé des cils magnétiques. Voilà. Donc, c'est la première fois que je vais tester. Alors, je vais vous montrer ça. Et on a trois paires à l'intérieur. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc, il y a trois paires. Donc, il y en a qui sont moins fournis que d'autres. Et voilà. Et il y en a qui sont un peu plus fournis. Donc, il y a trois paires dedans. Comme ceci. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors. Alors là, on nous montre en fait comment il faut les poser. Voilà, on a une petite affiche hein, comment les poser. Et franchement, je vais les tester. J'ai hâte de les tester en fait. Et c'est bien qu'elles ne sont pas très très fournies en fait. J'aime pas quand c'est trop gros, c'est trop long en fait. Et ça, j'aime pas. Mais celles-ci, elles ont l'air pas mal. Vraiment pas mal du tout. Hein, franchement. Hâte de les tester. Et donc les cils magnétiques coûtent 29$ quand même hein. Et il y a trois paires dedans. Et en dernier je retrouve donc de la marque Beauty Tools. Voilà, donc une éponge ce sont des éponges professionnelles. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent en fait sur alors c'est une éponge microfibre pour enlever le maquillage, donc il coûte 19$. Voilà, donc pour enlever non, c'est pas pour enlever. Alors que moi je pense en fait que c'est une éponge en fait en microfibre pour enlever, mais ça peut être aussi pour enlever le maquillage, mais ça peut être aussi pour appliquer le maquillage, parce que là ils nous disent pour appliquer une base, le fond de teint, la bébé crème, la CC crème. Voilà. Donc ils disent de le changer régulièrement. Voilà. Donc après à tester. Donc je vous en dirai des nouvelles bien sûr. Et donc je disais en fait que l'éponge coûtait 19$. Donc c'est une éponge en microfibre. Là, attendez, je vais l'ouvrir. Hein, comme ça, je vais vous. J'ai pas de ciseaux. Bon bah, pas de chance, je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas pris de ciseaux. Bon bref, mais je vous en dirai des nouvelles en fait, bien sûr, soit sur mon Instagram, soit bah, dans une vidéo en fait, ou dans les produits terminés. Mais je reviendrai vers vous pour vous parler en fait de cette éponge parce qu'elle a l'air pas mal. Voilà, donc je vais y aller en fait aussi sur leur site pour voir en fait pour voir comment ça s'utilise. Et je disais que tout à l'heure c'était de la marque Beauty Tools, mais non, c'est de la marque Chunzhi. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est ici, c'est la marque Chunzhi. Franchement, hâte de la tester. Voilà, et donc on a un total de la box de 104$. Je suis désolée pour le bruit, franchement. Donc là, on a un total de la box de 104$ et la box elle coûte 29$. Donc je pense que franchement, c'est une box qui est très très bien garnie. Et bah là, c'est un mat hein, parce qu'il commence à sécher et comme vous pouvez voir, il bouge encore parce que c'est pas encore très sec. Mais c'est un mat, donc il est très très joli. Franchement, j'aime beaucoup en fait. Pas pour l'été, mais pour automne, printemps, en fait, hiver, j'aime beaucoup. Surtout pour l'automne et pour l'hiver. Donc très bien. Et c'est surtout ces cils magnétiques que j'ai envie de tester. Donc au plus vite, je reviendrai vers vous. Je vous mettrai une petite photo en fait sur Instagram avec les cils posés.
Et je vous donnerai mon avis sur Instagram également. Donc je vous mettrai mon Instagram en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker pour voir en fait ce que je vous présente sur Instagram ou pour me suivre tout simplement. Voilà. Donc moi je vous fais très très gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces produits, ce que vous avez pensé. Je vous fais très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo si la vidéo vous a plu. Et moi je vous retrouve donc très très bientôt. Bye bye.